Et voilà, victoire au final du Nord Métropole Foussade ici à Longueuil d'Anjou. Ouais, on était, je pense, favoris au vu des dernières performances des filles, mais pour autant, on a joué Montaigu il y a pas si longtemps que ça en championnat, et ça a été un match qui a été très compliqué pour nous. Elle nous avait vraiment mis en difficulté, et je pense qu'en championnat, elle aurait mérité un meilleur résultat que celui qui a été le cas. Donc, on s'attendait à une opposition qui est assez compliquée, et ça a été le cas. Donc, les filles ont bien mis en place ce qu'on avait travaillé pendant 2 semaines justement pour ce match contre Montaigu, donc c'est d'autant plus satisfaisant. Et ce choix de venir avec vraiment 12 joueuses, c'est vraiment la volonté d'avoir une rotation sur l'ensemble du match, c'est ça ? Ouais, on a 20 joueuses qui sont compétitives maintenant en séance d'entraînement, donc, l'idée c'est de faire participer tout le monde, mais aussi parce que les mérites. Je fais pas de cadeaux pour aucune des filles, donc, si elles sont là, c'est qu'elles le méritent toutes. Il y en a 3-4 qui étaient blessées et qui auraient également mérité d'être là. Donc, c'est aussi le travail de tout un groupe qui permet de gagner. Donc là, un trophée régional. Il y a une autre étape, je le disais, le 20 avril, c'est ça ? C'est ça, le samedi 20 avril. Les interrégionales, on ne sait pas encore trop à quelle sauce on va être mangé, si je puis dire. Mais, on attend du coup les tirages, de savoir contre qui on va jouer. Et puis, on va essayer de préparer ça au mieux pour essayer de faire les mêmes résultats que l'année dernière, mais ce sera compliqué parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Vous êtes attendu en tout cas, vous êtes favori, vous avez tout à défendre. Voilà, on est attendu, donc c'est d'autant plus compliqué quand t'es attendu. Tout le monde connaît un petit peu l'équipe, tout le monde voit des vidéos, donc, mais à nous de bien travailler pour essayer de renouveler l'expérience. En tout cas, toutes les filles travaillent pour au quotidien et c'est bien qu'elle puisse faire des matchs comme ça parce qu'elle le mérite. Super, merci Julien, bonne continuation, on est aussi au courant. Merci. Salut.